Aujourd'hui, je vais au périscolaire. Alors, allez où sont les petites étudiants? J'ai insisté sur l'idée d'une école de relations qui devait former un monde hors menace. Pour que le savoir puisse trouver sa place, il faut qu'il trouve sa place dans un monde hors menace, n'est-ce pas ? Le concept d'espace hors menace, qui est un concept absolument fondamental chez Jacques Lévin, a été pour moi extrêmement important et utile. Alors les chenilles professionnelles, elles sont extrêmement... Il n'y a pas que fort en force. Il y a aussi la force d'autre chose. La force de travailler. Alors c'est quand t'es heureux, et comme une fois j'avais donné une BD à Timéo, j'étais carrément heureux, parce que je faisais du bien à mes copains. Jacques Lévin s'appuyait sur des classes freinées dans lesquelles les enfants ont un rôle actif, sont porteurs de projets, ont la parole, s'appuient sur la vie aussi, sur ce qui se passe réellement. Il y a pas mal de trucs très forts, mais déjà ce qui revient beaucoup c'est les ceintures. Tout ce système d'escalier et de ceinture. Bravo pour ta persévérance, parce que t'as pas lâché, t'as passé des épreuves beaucoup de fois, mais t'as réussi. Et je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Et il y a des personnes dans notre classe qui ont besoin d'aide. Et nous, ça sert à les aider. Quand on est tout seul, on s'assoit dessus et on attend que quelqu'un vienne nous chercher. L'intelligence des réalisations, l'intelligence des relations, l'intelligence des talents personnels et l'intelligence des situations. Voilà, et après, oui, il a réussi. Ah, pas vraiment. Mais t'as bien travaillé. Non, ce n'est pas une plume d'aigle. C'est une plume de buse, celle-là. Et celle-là, une plume de pigeon. Moi, je voulais dire que... Il y avait ma maman ou mon papa ou mon frère qui m'avait acheté ce renard. Et du coup, dès que j'appuie avec mon doigt, je peux lui faire bouger la tête. Il y a des questions. Ils acquièrent d'autres choses ici. Une autonomie, une confiance en soi, une réflexion aussi. C'est des enfants qui réfléchissent beaucoup. L'école des cannes d'engage, ce n'est pas une école à part de l'école publique actuelle. C'est un autre projet pour l'école publique actuelle. Là, l'essentiel, ce sont vraiment les valeurs et ce qu'elles portent, la bienveillance, la place de l'enfant, l'espace hors menace, un espace où l'enfant se sent en sécurité, l'apport de l'universel, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est une école avec un gros cœur.